Bonjour, on est ici devant le Parlement européen avec beaucoup d'ONG, des paysannes, des paysans. Pourquoi? Eh bien parce que demain, la commission environnement du Parlement européen se prononcera sur le texte visant la restauration de la nature. Ça veut dire quoi? Eh bien, dans le cadre du Green Deal, la commission européenne nous a proposé de s'occuper du carbone, c'est fait. On a adopté de nombreux textes qui sont dans le paquet climat, mais elle nous a aussi proposé de préserver la nature pour préserver la biodiversité, mais aussi parce que s'il n'y a pas de nature, s'il n'y a pas de sol en bonne santé, de forêts en bonne santé, de fleuves et de mers en bonne santé, nous ne sommes plus en capacité d'absorber le carbone. La loi sur la restauration de la nature, en remettant les mers, les terres agricoles, les forêts, les zones urbaines sur le chemin de la restauration d'ici à 2050, permettra de lutter contre le changement climatique. On a vraiment des gens qui pensent que la sécurité alimentaire est davantage menacée par la disparition des pesticides, par la disparition des engrais de synthèse. Or, en vérité, la vraie menace sur la sécurité, sur la souveraineté alimentaire, c'est le recul de la nature, c'est l'effondrement des populations de biodiversité, que ce soit les oiseaux, que ce soit les insectes. C'est ça la vraie menace pour la souveraineté alimentaire. On continue à pêcher plus vite, plus gros, avec des techniques de pêche qui vont continuer à détruire les fonds marins. À un moment donné, on ne protège pas les pêcheurs, bien au contraire, à un moment donné, les pêcheurs vont disparaître. Ce que nous voulons défendre absolument, c'est le vivant, c'est le climat, c'est les paysannes et les paysans qui ont besoin de sol, de forêts et de fleuves et de mers en bonne santé. No nature, no food, c'est ça le message qu'on doit retenir. Nous voterons bien évidemment demain matin en faveur de ce texte sur la restauration de la nature et nous nous battrons jusqu'au bout. No nature, no food, no nature.